a repris la route sous la pluie, parce qu'elle nous suit. Elle nous suit comme une sangsue. Donc là, en fait, on prend la direction de Lyon, et normalement, le prochain arrêt devrait être un petit peu en dessous de Lyon, on verra. Vous verrez ça, on va voir où est-ce qu'on va s'arrêter. On espère que la pluie va se calmer, parce que pour l'instant, c'est pas folichon de vous filmer la route, vous allez voir. C'est le carnage. Alors sinon, pour la route, au départ, on pensait juste descendre en dessous de Lyon. C'est ça. Mais j'avais trouvé un France Passion aussi. Mais sur la route, j'ai regardé un petit peu, je me dis beau. Pourrait descendre. Pourrait déjà descendre sur l'Ardèche. Donc on est descendu jusqu'ici. Mais il n'y avait plus énormément de kilomètres, il y avait 100 km de plus. Mais par contre, niveau circulation. Il y a eu pas mal de bouchons. Il y avait des bouchons avant Lyon, enfin ça logique, on a après perdu Lyon, minutes. Avant Valence, sur Valence, après Valence, à Montélimar, enfin bref ça n'arrêtait pas, et des grands pilotes. Enfin on va pas dire que nous on est des grands pilotes, mais là pour le coup c'était... Fatiguant. Ouais, c'était usant, donc bien content d'être posé, donc petit apéro. Un mini, hein. Une petite Corona, et puis voilà. Alors voilà, deuxième étape France Passion. Vous pouvez voir là les vignes. Et puis nous, ben, on est là. Et il y a quelqu'un d'autre qui était là déjà avant. On est plutôt bien mis, au calme. Bon, on entend un peu la grande route passer, mais ça va, c'est pas trop gênant. On est à Notre-Dame de Cousignac. C'est un domaine viticole. Et donc ils ont... Ici, un domaine où ils font chambre d'hôte, petite restauration. Mais là, je pense que c'est fermé. J'ai été voir tout à l'heure pour voir si c'était OK pour se poser, mais il n'y avait personne. Donc, on s'est posé quand même, vu qu'il y avait déjà un camping-car demi. Donc, vous pouvez voir, c'est plutôt joli. Donc voilà, bon, on n'aura pas de dégustation du coup, parce que sinon il y a des dégustations possibles et tout. Mais là, comme il n'y a personne, je ne sais pas si c'est fermé. Mais bon, au moins, on a une place, on est bien mis, il va être 18h, donc petit apéro. Et voilà, petite soirée tranquillou, monsieur est en train de monter la première vidéo, et puis moi je me mate... Les vadrouilleurs sur YouTube. Ouais, ils regardent en même temps, évidemment, alors... Moi, je loupe aucun épisode. Hein. Donc voilà, et puis après, petite douche, se mettre à l'aise et petit souper. Salut les trippers, alors on se retrouve, on est donc samedi matin. On vient de quitter notre spot France Passion, on a super bien dormi, au calme, franchement nickel. Alors ce matin, devinez quoi, il y avait de la pluie, encore. Mais ici ça va, ça s'est dégagé, ils annoncent plutôt une belle journée. Là, on s'en va faire les courses et puis après, on vous emmène avec nous jusqu'au camping qu'on a choisi. Donc, je vous dis à tout de suite au magasin. Alors voilà, on est au Super Rue, rien d'original donc, de Rue Homs. Et on va commencer par aller chercher une charrette. Yes. Ah, le gris d'Ardèche. Bon, l'eau parce qu'il faut en boire.
Bon, les courses, ça avance. Les joies des courses. Que des bonnes choses à manger. On n'aime pas faire les courses. Non, on n'aime pas faire les courses. Salut les trippers. Bon, je vais vous montrer un truc qui m'énerve. Vous voyez, ici, il y a de la place. Hein. Il y a de la place, nous, on est là. Et alors, il y en a, ils sont pas fichus de se garer comme il faut sans embêter les autres. Non, ils sont obligés de venir te coller. Hein? Mais que ça m'énerve. Alors voilà, les courses sont faites. Maintenant, direction Vallon-Condarc. On va dans un camping qui s'appelle la Plage Fleurie. C'est un yellow village. On a déjà été, on avait déjà d'ailleurs fait une vidéo où on vous montrait un petit peu. C'était notre première vidéo, ouais. D'ailleurs, on va vous mettre le lien en description et on va vous la mettre juste là ou là, je ne sais pas, pour vous regarder si vous voulez. Bien content que les courses soient faites, vous avez pu voir, il y avait de la place pour mettre des camping-cars, mais non, il a fallu nous coller. Je ne savais même pas ouvrir la porte pour dire de rentrer les courses, c'est super pratique. Alors qu'il y avait plein de places. C'est le genre de truc qui m'agace, mais au plus haut point. Enfin, on a déjà des gros bébés à stationner. Il y a de la place et il faut. Dans un kilomètre, tournez à droite sur Chemin des Mâles. Donc ici, on arrive. On va vous filmer tout ça. Voilà, on est installé et on est même plutôt bien mis. Ouais. Alors on est, comme je vous l'ai dit, au camping La Plage Fleurie. On a un emplacement vue rivière. Ben, on est carrément sur la première ligne. Donc en face de nous, il n'y a rien d'autre que la rivière. Donc ça, c'est top. On s'est installé, on s'est branché, on a mis son petit auvent, sa petite table, ses petites chaises. On a aussi installé un barbecue au gaz qu'on a acheté. Qu'on va tester avec vous cette semaine. Et puis là on profite un peu, moi je lis un peu, monsieur regarde un peu le match sur son téléphone. Et puis tout à l'heure on va manger avec des amis qui sont dans la région aussi. Et on va pas manger local, on va manger cuisine asiatique. Il faut dire qu'on est fan des pays asiatiques et notamment de la Thaïlande. Donc ce sera sympa d'aller se manger un petit bout dans un restaurant thaï. Évidemment, on vous emmène avec nous ce soir, comme ça vous verrez un petit peu le restaurant. Donc voilà, je vous montre. Donc ça, c'est notre emplacement. Donc vous voyez, on a bien de la place par rapport aux autres personnes. Et donc, vue rivière. Voilà, comme ça je suis en plan normal. On est plutôt bien mis. Là-bas, vous avez plein de petits parasols. Il y a aussi un bar de la plage. Et puis, le soleil est là, comme vous pouvez voir. Il fait 24 degrés, mais franchement, il fait super bon. On a sorti les shorts et les claquettes. Voilà, on profite de la piscine, ça fait trop du bien, il fait super beau, je vous fais un petit 360.
Non mais depuis le temps qu'on attend le soleil, sérieux. Là, c'est Byzance. C'est Byzance à vous. Ouais.